Hello tout le monde, je vous retrouve. On est le samedi 12 novembre, il est actuellement moins de 5h du matin. Je suis réveillée depuis 4h30 et on va aller, vous et moi, au Energy Music Awards. J'ai déjà plus de voix. Je sais pas si ça se voit, mais je suis pas du tout sereine de prendre l'avion toute seule. L'avion, je l'ai pris une fois dans ma vie et j'étais avec des copines et même là, j'étais pas bien, donc toute seule, ça va être la merde. Par contre, on peut voir ma dose de fatigue extrême, non? J'ai fait péter la petite combinaison One Piece. Ça, c'est genre la tenue de voyage parfaite. Genre, je vous jure, je suis trop bien dedans. C'est parti, direction l'aéroport. J'ai peur. Paris, il fait froid chez vous. Pire que Rennes, quoi. Là, j'ai en gros 1h30 d'escale à Paris. Et après, je prends un avion direction Nice. Mon Dieu, j'ai trop faim. Objectif, trouver un thé et un petit déjeuner. Bon, eh bien, je vous retrouve beaucoup plus tard. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé. Donc, je suis dans la chambre. Donc, je vais vous faire un petit room tour. Et ça fait trop du bien là d'arriver. J'ai pris le taxi du coup pour faire Nice-Cannes et c'était la première fois de ma vie que je prenais le taxi. Quand on arrive, voilà comment c'est. Petite chambre, regardez ça comme c'est mignon. C'est très très classe en fait, il y a même des placards énormes, sérieusement. Oh, putain mais c'est juste énorme, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, il y a de quoi faire du thé. Moi c'est ça que j'ai vu en premier. Je crois que je vais me faire un thé. J'ai trop soif, il faut que je me réveille en fait. Là, j'ai vraiment la tête dans le cul, on dirait pas, mais voilà. Dehors. Oh mon dieu. C'est trop joli. Oh, je suis sérieusement au bout de ma vie. Ça se voit à ma tête. Et j'ai très très faim, en fait. Parce que j'ai pas beaucoup mangé, du coup, ce matin. Allez, là, on va aller récupérer les places. Je suis la plagiée. Elle m'a plagiée, cette. Ouais, je l'ai plagiée. On prendra un photo ce soir, quand c'est belle. Oui, parce que là, franchement, oh là là, mais ça se met pas. Mais je crois que j'ai même pas mis ça sur ma chaîne à moi, en fait. Et la plume, et on va... Arrêtez de m'appeler la plume. C'est vraiment, c'est gênant. C'est la gênance. Par contre, il y a une qualité, le tien. Mais pourquoi tu t'appelles pas la plume, en fait? C'est pas ton prénom. Mais arrête. Tu sais qu'il y a des marques qui n'appellent plus. Et dire qu'on est là, c'est son... Oh non, mais faut arrêter de vlogger comme ça. Je vous raconte même pas, on est allé chercher nos places pour ce soir à un autre hôtel en fait que le nôtre. Et on a couru parce qu'on est à la bourre et en fait on vient d'apprendre qu'il faut qu'on y aille genre super tôt. Donc bah là on va essayer de se travailler la façade, surtout moi. Ah, moi aussi. Non mais attends, t'es maquillée, tu vois, moi je suis... Maquillée, j'ai tout enlevé pour refaire. Ah ouais, ah bah, bon, d'accord, bah tout le monde en fait. Et du coup, je vais vous faire un avant-après, donc voilà l'avant. Voilà, le léger ravalement de façade est terminé. J'ai jamais mis autant de maquillage sur ma face. Ça, c'est pas la classe, sérieusement. J'ai un ticket Energy Music Awards à mon nom. C'est trop la classe. Ouais. Oh, c'est trop classe. Energy et TF1, vous savez... Qui c'est qui vient nous emmerder? Jamais je trouverai votre chambre. Hein. Tu sais que je vloguais, là. Bonsoir. C'est moi qui vlogue. Oui, je te vlogue. Bonsoir. Il est là, mon frère. Il est où? Non, c'est qu'en fait, j'ai pas mes lunettes. C'est le bordel. Moi, c'est hyper propre. Ouais, bah, tu te calmes. Regardez le petit bracelet qu'on a eu avec. C'est VIP, After VIP, NMA. Non, mais. Excuse. On est des VIP, meuf. Voilà, la petite. Ah, ouais, mais la lumière, elle est pas du tout. Jolie. Voilà la petite tenue. Donc, j'ai mis une combinaison avec pantalon, avec des escarpins. Mon dieu, je vais avoir mal au pied à la fin de la nuit. Et le petit donut. Et le maquillage. C'est chargé hein, pour une fois. Mais bon, si on charge pas ce soir, on chargera jamais. Exactement. Voilà.
C'est parti, on descend. Oh putain, il me fait peur cet ascenseur. Il est minuscule. Pourquoi j'ai pris l'accent du sud comme ça? Parce que t'es qu'une sudiste. Oui, moi j'ai une sudiste de Rennes. Bon, on a les premières, on va attendre les autres. Et pour vous donner ma sensation actuellement, j'appréhende. J'appréhende, mais j'ai hâte. Voilà, nous sommes installés actuellement et comme vous pouvez le voir, j'ai la gueule qui brille tout simplement parce qu'on a une lumière en plein en face de nous. Je vais vous montrer ça. Là, on a ça. J'essaye de vlogger. Donc, on a ça en pleine gueule et on a le carré là. Donc, en fait, on va absolument rien voir. C'est bon, super. 3, 2, 1, là. C'est incroyable parce que c'est pratiquement le groupe du fond là-bas qui me met le plus de folie. Là. Tout le déplacement, ça sera là, et là je vous la folie complète, là, non. T'as un problème? T'as un cul? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, en fait t'aimes bien les gros zooms sur ça. Ah oui, attends. On pensait qu'il allait y avoir une couille dans la soirée, et il y avait un cube. Voilà, c'était la blague de Charlène. J'avais pas vu. Alors apparemment on va changer de place parce qu'on ne voyait absolument rien, donc c'est parti. Non, je suis de plaît. Attention, je reviendrai pour les faire allumer. Sur son téléphone. Merci à toutes les. Mais, on va aller dans la fosse. Complètement démaquillée et j'ai les lèvres. En fait, j'arrive pas à démaquiller mon rouge à lèvres, c'est super génial. Bref, j'ai une tête très fatiguée parce que là, il est plus d'une heure du matin. Je me suis levée à 4h ce matin et j'avais dormi genre 3h dans la nuit, même pas, donc j'ai vraiment une tête très fatiguée. Là, je suis arrivée à l'hôtel, donc comme je vous disais, il est un peu plus d'une heure du matin. Claire n'est pas là. En fait, Charlène et moi, on est rentrés à l'hôtel parce qu'on avait trop mal aux pieds et comme je vous disais, on était fatigués et on n'assumait pas quoi. Du coup, on a préféré rentrer à l'hôtel, mais les autres filles, toutes les autres filles sont allées, dont notamment Claire. Ah oui, avant de continuer, rien à voir, mais je voulais vous parler de ce t-shirt parce que je l'aime trop. C'est un t-shirt avec écrit Nick les clones et je vous mettrai la boutique d'où il vient. Mais je l'aime trop, du coup là, j'ai voulu le mettre parce qu'on est bien dedans, j'avoue tout. Bref, ils ont plein de petits t-shirts cool. Alors, c'était la parenthèse, c'est venu comme ça, bon, bref. Donc voilà, donc là j'ai pris ma douche tranquillement avec Charlène. On avait tellement mal aux pieds qu'on a marché pendant quoi 10 minutes, un quart d'heure à pieds nus dans les rues. Donc j'ai pas trop vlogué les Energy Music Awards en tant que tel, tout simplement parce que, pour des soucis de droit d'auteur déjà avec les musiques, mais aussi parce que je voulais profiter du moment avec les filles. Et parce que si vous voulez voir l'émission, bah vous pouvez aller regarder le replay. Mais si vous avez regardé l'émission et que vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu en gros que moi, Charlène, Léa, on est énormément passé à la télé. Notamment moi, apparemment, un gros plan vraiment toute seule. Enfin bref, truc de ouf. C'est vrai que le caméraman n'a pas arrêté en fait de venir nous voir. Et en fait, avant qu'on passe en direct, genre il nous prévenait. Il nous disait qu'il filmait. Et voilà, en gros, pour qu'on s'ambiance quoi. Donc là, je vais rejoindre Charlène dans sa chambre. On va sûrement se boire un petit thé. Toutes les deux, mais sinon c'était vraiment une soirée trop trop cool, je suis trop contente d'avoir rencontré les filles. C'est vrai que moi sur YouTube, je vous l'avais dit, j'ai pas énormément de connaissances ou d'amis parce que je vais pas à beaucoup d'événements et que bah, je fais mes vidéos dans mon coin et voilà, mais c'est cool de faire des rencontres et elles sont toutes, toutes adorables, enfin voilà, les filles, si vous passez par là, c'est très cool. T'es en train de regarder tous les tweets et tout là. Oh, mais oh, il y en a trop. C'est fait harceler hein. Attends, il est grand votre couloir et tout. Ouais. Oh là là, mon dieu, c'est le bordel. Hein. Je me suis littéralement incrustée dans la chambre de Charlie. Pas du tout. Elle me fait un thé. Un petit thé. Un petit thé. Tea time. Oui. Matt Pokora, c'est l'homme de ma vie. Oh là là, Ricky Iglesias aussi hein. Oh ouais.
c'est la fatigue. Le dossier, t'en as pas assez de moi là, des zooms que t'as. Ouais, bah, c'est la première fois qu'on se voit et je trouve que ça a déjà beaucoup de trucs. C'est que les premières fois sont toujours les plus douloureuses. Je coupe. Bonjour. Alors, on est dimanche, il est 10h. On est levé, on s'est un peu préparé et on va aller petit déjeuner. Et voilà, donc let's go. Ready? Steady? Let's go. Allez. Ben, est-ce que tu peux créer le buzz sur ma chaîne, s'il te plaît? Hello tout le monde, alors je vous retrouve, nous sommes quelques jours plus tard, mais je vous retrouve pour conclure le vlog. Alors je suis dans mon fond habituel parce que je viens de tourner une vidéo, super, et je me suis dit, j'ai pas conclu mon vlog. Cool, franchement, j'en reviens pas du week-end de ouf que c'était, j'en ai encore des étoiles plein les yeux franchement, et ça a été très dur lundi, le retour en cours, le retour à la réalité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je revlogue par exemple, si je suis invitée à d'autres événements. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre un petit pouce en l'air si vous aimez ce que je vlogue. C'est vrai que je suis pas habituée, je me regarde souvent et ça doit être très très lourd, mais bon, je fais ce que je peux. Je réalise vraiment la chance que j'ai eue, encore une fois merci à Cher Fraîche, si Jérémy ou Oriane vous passez par là, merci encore à vous de m'avoir permis de vivre ça, et également merci à vous là, vous qui me regardez. Parce que, n'empêche, c'est vous qui partagez ma chaîne, c'est vous qui faites que notre communauté grandit de plus en plus. Et c'est aussi grâce à ça que je suis invitée à ce genre d'événement. Donc vraiment, encore une fois, merci pour tout votre soutien. Merci pour tout. Et voilou! Allez, je vous laisse. J'arrête. J'aime pas faire la bisounours comme ça. En ce moment, je fais que le faire, mais bon. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux si tu n'es fait pas encore partie, je sais pas, de la Team Snap Plume, par exemple. N'hésite pas à nous rejoindre. Parce que c'est là que je vous donne des infos en exclusivité, tout ça, tout ça. Et j'ai très mal au bras, donc je vais vous laisser. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.